Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Protégé et nous a fait grâce encore pour que nous puissions rentrer dans sa présence ce soir. C'est pour cela que nous allons lui dire merci pour sa protection, pour son amour, pour sa grâce à notre égard. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Je magnifie ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, car tu nous as gardés. Tu nous as protégés, Seigneur. Béni soit ton nom, notre Dieu. Magnifié soit ton nom, notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé encore le souffle de vie ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés depuis, Seigneur, mon Dieu, que nous nous sommes levés. Béni soit ton nom, nous te bénissons. Nous te magnifions pour ton amour. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta grâce et ton amour nous accompagnent. Nous reconnaissons, Seigneur, que Seigneur, mon Dieu, ta grâce nous accompagne. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans Nombre 23, au verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et il est écrit dans Lamentation 3, au verset 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et ensuite, il s'écrit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Bien-aimés, nous voulons célébrer la fidélité de Dieu à notre égard. Nous voulons célébrer sa fidélité. Bien-aimés, il est fidèle. Il est fidèle. On dit que ses bontés ne sont pas épuisées. C'est-à-dire, ça n'a pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme, ça n'a pas de fin. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que les tribulations que tu vis ont une fin, auront une fin. La maladie qui est en train de déranger ton corps aura une fin. Toute chose qui t'arrive aura une fin, mais une seule chose n'aura pas de fin, la bonté de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci pour ses bontés. Nous voulons encore le remercier pour sa fidélité, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle à notre égard, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos familles. Nous voulons lui dire merci pour sa fidélité. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever encore ton nom ce soir. Nous voulons encore, Seigneur, élever le trône de ta grâce, parce que tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous voulons, Seigneur, reconnaître ta fidélité dans nos vies. L'homme est infidèle. L'homme, Seigneur, mon Dieu, peut faire des choses pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ensuite les réclamer. Mais toi, tu es fidèle. Ce que tu dis, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Et la Bible me dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Et tes compassions ne sont pas à leur terme. Oh, je te bénis, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour tes compassions, merci pour tes grâces, merci pour ta fidélité à l'égard de ma famille, merci pour ta fidélité à l'égard de ma maison, merci pour ta fidélité à l'égard, Seigneur, de mon couple, merci pour ta fidélité, car ta fidélité est grande, car ta fidélité est grande, car ta fidélité est grande. Merci Seigneur, merci Seigneur.
car tu es Dieu, car tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité qui parle encore pour moi. Merci Seigneur pour ta fidélité qui parle encore pour ma santé. Même si je suis malade dans mon corps, mais je sais une chose, c'est que Seigneur, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Alors je sais que Seigneur, ma guérison arrive assurément Seigneur. Même si Seigneur, je vois que les choses sont compliquées autour de moi. Quand je vois que Seigneur, mon environnement est rempli d'adversité, je confesse ta fidélité, je proclame ta fidélité. Oh, devant l'adversité de ma vie, je proclame ta fidélité. Devant les problèmes de ma vie, je proclame ta fidélité. Devant Seigneur les échecs de ma vie, je proclame ta fidélité. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Oui Seigneur, ce soir je veux élever ta fidélité. Je veux proclamer ta fidélité. Je veux proclamer ta grandeur. Je veux proclamer ton amour. Je veux proclamer ta grâce. Je veux proclamer que tu es Dieu. 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 Alléluia. Je veux proclamer que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh merci. Bien-aimé. Merci Seigneur. Nous allons prier encore. Nous voulons prier encore, bien-aimé, pour nous humilier devant le trône de sa grâce, lui demander pardon. Je vous assure que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, comme dit la Bible. Mais Dieu reste fidèle. Nous allons demander pardon pour tous nos péchés. Nous allons demander pardon pour les choses que nous avons pensées. Nous allons demander pardon pour toute la colère que nous avons eu à voir. Nous allons demander pardon. Peut-être que devant l'injustice, tu t'es énervé. C'est toi qui as raison. Mais devant l'injustice, tu t'es quand même laissé emporter dans la colère. Nous allons demander pardon. Dire à notre Dieu de nous pardonner. Car nous voulons rentrer dans sa présence en étant purs. Nous voulons rentrer dans sa présence en ayant un cœur saint. Un cœur sincère devant le trône de sa grâce. Alléluia. Oui, parce que la Bible nous dit que nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier devant le trône de sa grâce. Nous devons nous humilier devant la main puissante de notre Dieu. Nous devons nous humilier devant sa présence. La Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pour cela que nous voulons aller avec toute humilité devant le trône de sa grâce pour dire Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Demandons pardon à notre Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, nous venons te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons péché, là où nous avons fauté, là où, Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne nos cœurs, pardonne nos attitudes, pardonne nos pensées. Pardonne, Seigneur, à chaque fois que nous avons subi l'injustice, nous avons aussi réagi. Pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne nos pensées, pardonne-nous, pardonne mon cœur, Seigneur, pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai dû faire les choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur. Je te demande pardon, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les paroles de ma bouche. Pardonne, Seigneur, les pensées de mon cœur. Pardonne, Seigneur, mes actes. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Alléluia, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Oh, mon âme a eu la tristesse. Mon âme s'est attristée. Pardonne-moi. Mon âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a été, Seigneur, mon Dieu, dans la tristesse. J'ai oublié la foi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que je me suis abattu et j'ai oublié, Seigneur, ta parole. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne ma vie. Pardonne ma vie. Pardonne ma vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible déclare que
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus a pouvoir nous laver. Que le sang de Jésus lave nos maisons. Que le sang de Jésus lave nos enfants. Que le sang de Jésus lave nos foyers. Que le sang de Jésus lave tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Invoquant le sang de Jésus, je vous assure que le sang de Jésus nettoie, que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus détruit aussi les œuvres de l'ennemi. Bien-aimés, invoquant le sang de Jésus et prions ensemble, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang maintenant. Père, nous invoquons ton sang, Seigneur, le sang de la victoire, le sang de l'alliance nouvelle. Seigneur, que ton sang puisse laver maintenant, laver nos maisons, laver nos foyers, laver nos familles, laver nos enfants. Que le sang de Jésus lave ma maison, que le sang de Jésus lave ma famille. Que le sang de Jésus lave, 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 lave tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Lave-moi, Seigneur. Lave mon âme. Lave mon cœur. Sang de Jésus, lave mes pensées. Sang de Jésus, lave. Lave mon esprit. Sang de Jésus, lave tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang nettoie et détruit tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Sang de Jésus, lave mes enfants. Lave mes enfants du premier jusqu'au dernier. Sang de Jésus, lave ma famille. Lave ma maison. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Que ton sang lave. Lave ma vie, lave ma destinée, Seigneur. Lave ma destinée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce temps de prière. Que le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses. Non pas ce que j'ai prévu, non pas des choses venant de la chair, mais que le Saint-Esprit puisse conduire ce temps de prière. Nous allons dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Tu vas dire au Saint-Esprit de prendre aussi le contrôle de ta propre prière, ce que tu vas dire, que le Saint-Esprit puisse t'inspirer, qu'il inspire les pensées de ton cœur et qu'il inspire les paroles de ta bouche afin que ta prière soit efficace. Alléluia. Invoquons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant à conduire ce temps de prière. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant à prendre la place, à prendre le contrôle. Que ce qui est de l'homme puisse disparaître, mais que tout soit de toi, Saint-Esprit. Que ce qui est de l'homme puisse disparaître, mais que tout soit de toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle de notre prière. Prends le contrôle de nos mots. Prends le contrôle de nos phrases. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos mots. Prends le contrôle de nos phrases. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, règne. Alléluia. Saint-Esprit, règne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends la place. La Bible dit non, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu inspires les pensées de nos cœurs et que tu inspires les paroles de nos bouches. Que tu inspires notre prière. Inspire les paroles de notre prière afin que notre prière puisse monter au cœur du Père. Afin que notre prière soit agréée devant le trône de la grâce. Saint-Esprit, car toi tu connais les profondeurs du cœur de Dieu. Que tu puisses nous conduire. Que tu puisses nous conduire. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 107. Le psaume 107. Nous allons prier par rapport à ce psaume. Nous allons le lire un peu et ensuite nous allons rentrer dans notre intercession. Oh Seigneur, aide-moi. Voilà. Je lis la parole de Dieu, psaume 107, à partir du verset 1. Il est écrit: célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent.
ce qu'il a racheté de la main de l'adversaire, et rassemblé de tous les pays, de l'est et de l'ouest, du nord et de la mer. Amen. Il errait dans le désert, en chemin, sur une terre aride. Il ne trouvait pas de ville habitable. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Au verset 7, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Alléluia. Il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance. Au verset 8, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Et je vais m'arrêter à 10, mais il est très long, vous pourrez le lire chez vous après. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Amen. Parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Alléluia. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il remplit leur lien. Alléluia. Ce psaume est très puissant parce que ici nous voyons comment Dieu est bon. Alléluia. Ici, ce peuple, le peuple d'Israël, ne trouvait pas un endroit habitable. Mais Dieu leur a donné un endroit habitable. Et ce qui impressionne un peu, au verset 12, il dit, il humilia leur cœur par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Les personnes qui sont têtues quand Dieu parle, ils n'écoutent pas. Quand Dieu parle, ils n'écoutent pas. Dieu dit, tu dois changer de mode de vie. Dieu dit, tu dois changer, tu n'écoutes pas. Et il vient, Dieu lui-même te frappe. Il te frappe, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu dis, mais moi, je ne comprends pas. Tu commences à prier. Mais quand tu vas t'humilier, parce qu'au verset 13, on dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est Dieu qui les avait frappés. Mais ils ont crié à l'Éternel. Et on dit, et il les sauva de leurs angoisses. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu vient toujours à notre secours. Que ce problème vienne du diable ou qu'il vienne de lui-même Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions tourner nos regards vers lui. C'est tout ce qu'il nous, il cherche. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu attend ton pas. Dieu attend notre pas. Des fois, ça ne marche pas. Tu dis, mais moi, je prie. Parce que Dieu veut que tu puisses vraiment faire le bon pas. Ton pas que tu fais là, il n'est pas encore bon. Il veut que tu puisses vraiment te tourner à lui complètement. Des fois, tu dis, oui, mais je prie. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, je prie. Dieu te dit, je ne viens pas tant que tu ne me pries pas de tout ton cœur. Il y a prier et prier. Tu peux prier, dire une fois, Seigneur, merci, tu pries, mais ton cœur n'y est pas. En fait, Dieu poursuit nos cœurs. Dieu poursuit nos cœurs. Quand ton cœur sera tout entier tourné vers lui, je t'assure qu'il viendra te secourir. Alléluia. Quand on tourne les regards vers lui, il vient toujours nous secourir. Alléluia. Il vient toujours nous secourir. Au verset 4, on dit, ils erraient dans les déserts en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Là où tu ne trouves pas de réconfort, là où tu ne trouves pas de solution, là où tu ne trouves pas de guérison à ta maladie, là où tu ne trouves pas de solution à ce problème qui perdure. Alléluia. Ici, au verset 6, on dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. As-tu déjà crié à l'Éternel? L'Esprit pose la question ce soir. As-tu déjà crié à l'Éternel? Dans ta détresse, as-tu déjà crié à l'Éternel? On dit, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Des fois, Dieu attend de nous un cri, qu'un cri vienne de toi. La Bible dit que Jésus à la croix a crié.
Il a crié, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a crié à la croix. Dieu attend que nous puissions nous tourner vers lui et que nous puissions crier à lui. Dans leur détresse, dans ta détresse, mon frère, ma soeur, commence à crier à l'Éternel. Commence à dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, pourquoi ce problème? Mon Père, pourquoi tu es loin de moi? Mon Père, pourquoi tu permets que des gens puissent m'oppresser? Mon Père, pourquoi cette situation doit perdurer? Bien-aimé, il viendra. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Dieu veut nous délivrer de nos angoisses ce soir. Dieu veut nous délivrer des choses qui nous font pleurer. Dieu veut nous délivrer de tout ce que, de tout ce que le diable a mis devant nous pour nous faire pleurer. En fait, Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Maître, trouve un grand plaisir à nous sauver. Trouve un grand plaisir à nous bénir. Trouve un grand plaisir à nous faire du bien. Quand Dieu vient au secours de ses enfants, il est content de le faire. Mais il nous demande une chose. Que nous puissions crier à lui. Que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Parce que là, on dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia. Très important. Au verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il ne va pas seulement te délivrer de tes angoisses, mais il va aussi te sauver de tes angoisses. Alléluia. Et on dit au verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. J'aimerais dire à une personne, bien-aimée, là où le diable est en train de vouloir mettre la mort autour de toi, l'Éternel te fait sortir de l'ombre de la mort au nom de Jésus. Là où le diable est en train de venir tuer tout ce qui est à toi, là où il est en train de venir mettre la mort dans ton travail, la mort dans ton corps, la mort dans ton couple, la mort dans tout ce que tu fais, Dieu vient te sortir de ces ténèbres de la mort et il rend tes liens. On dit, et il rompit leurs liens. Dieu vient, il coupe les liens que le diable met. Dieu sait ce qu'il fait. Et il prend plaisir à le faire. Il prend plaisir à le faire. Notre Dieu prend plaisir à nous délivrer. Notre Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Amen. Et au verset 15, on dit, on va le lire au verset 15, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance, c'est-à-dire sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des humains. Alléluia. Car il a brisé les portes de bronze. Les portes de bronze, c'est tout ce qui est bloqué devant toi. Vous voyez, le bronze est dur. Il a brisé les portes de bronze. Il a rompu les verrous de fer. Là où le diable avait mis des verrous de fer, tu ne peux pas passer. Là où on t'a bloqué, on avait mis des blocages. La Bible dit que Dieu brise les portes. Alléluia, les portes de bronze. Et il rend les verrous de fer. Il casse les verrous de fer. Ça veut dire que là où tu voyais les blocages, Dieu ouvre les portes et tu passes au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. C'est ce que notre Dieu fait. Et on saute au verset 20. Vous allez lire au verset 20. On dit, à partir du verset 19 même, on peut dire. On dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel encore. Et il les sauva de leurs angoisses. Au verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il les délivra. Écoutez, moi, ma version, la version que j'ai, c'est, il les délivra de leurs infections. Alléluia. Ça, c'est ma version. Qui a une autre version? Qui a une autre version? Moi, c'est « Il les délivra de leurs infections ». Quelqu'un a une autre version? Et la suite? Ma version, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. » Bien-aimé, quelle est l'infection qui est en train de ronger ton corps? Pourquoi tu dois avoir des infections urinaires tout le temps, tout le temps? Pourquoi les organes doivent être infectés? Je parle à ma sœur Judith, si tu es connectée. Ma sœur Judith, tu ne peux pas trop parler. Si tu es connectée, j'aimerais te dire une chose, cette parole est pour toi. La Bible dit, il les délivra de leurs infections. Et je déclare que toutes les infections qui se baladent dans ton corps sont brisées au nom puissant de Jésus. Et le sang de Jésus détruit cela au nom de Jésus. Si une personne qui est malade maintenant, la Bible me dit, il les délivra de leurs infections. Aucune maladie ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Alléluia. Dieu nous délivre de toutes les infections.
Que ce soit les infections physiques ou les infections spirituelles. Parce que les infections spirituelles aussi existent. Les infections spirituelles, c'est à chaque fois un symptôme qui revient toujours. C'est une infection qui ne finit pas. Et le sang de Jésus est là pour détruire cela, pour que ça puisse s'arrêter à vie. Alléluia. Il les délivra de leurs infections. Waouh, quelle version. J'aime ma version. Alléluia. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. La Bible dit à partir du verset 27, on lit à partir du verset 26. Il est écrit, ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes. Leur âme se fondait dans le malheur. Ton âme se fend peut-être dans le malheur. C'est-à-dire, tu as la douleur dans ton cœur, tu as la douleur. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel encore. Il les fit sortir de leurs angoisses. Dieu va faire sortir une personne de ses angoisses ce soir. Dieu va faire sortir une personne de ses angoisses. Bien-aimés, les angoisses n'ont pas à demeurer dans nos vies. Les angoisses n'ont pas à rester dans nos cœurs. Les angoisses n'ont pas à demeurer dans nos âmes parce que Dieu nous délivre de cela. Et nous devons croire en la vérité de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est en lisant la parole qu'on est affranchi. C'est en lisant la parole, en acceptant la vérité de la parole, qu'on est affranchi et qu'on est libéré. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons rentrer dans notre intercession. Merci Seigneur pour ta parole, car elle nous fait toujours du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire merci. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole qui nous réconforte. Alléluia. Cette parole qui nous donne la force. Alléluia. Dieu dit à Josué après la mort de Moïse, Dieu vient le voir et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu lui avait d'abord dit au préalable, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Ce qui veut dire que cette parole que nous lisons nous fortifie. Cette parole que nous lisons est un fortifiant. C'est ce qui nous redonne le courage, c'est ce qui nous redonne la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons lui dire merci pour cette parole qui nous a réconfortés. Dans nos angoisses, cette parole nous a donné la force. Cette parole nous a redonné encore confiance. Là où nous n'avions plus confiance, là où nous étions un peu faibles, là où nous étions affaiblis, nous allons dire merci au Seigneur car sa parole nous a encore fortifiés ce soir. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fortifie encore ce soir. Merci pour ta parole qui nous fait encore du bien. Merci pour ta parole, alléluia, qui nous redonne encore la foi ce soir. Béni soit ton nom Seigneur, je célèbre ton nom car tu es bon. Je célèbre ton nom Seigneur car tu nous fais du bien. Tu es prêt à nous secourir, tu es prêt à nous faire du bien. Je te bénis, alléluia. Je te magnifie, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que ils erraient dans le désert. Amen, amen, écoutez-moi. La Bible dit que ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Bien-aimé, je ne connais pas ton désert. Chacun de nous a un certain désert. L'autre, c'est un désert spirituel. Sa vie spirituelle, elle n'arrive pas à se retrouver ou il n'arrive pas à se retrouver. Il a comme l'impression que Dieu est loin de lui. L'autre, c'est un désert financier. Une autre personne, c'est un désert de santé. La maladie est là, la maladie ne finit pas. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas présenter ton désert au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur,
viens me secourir. Car la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Bien-aimés, nous voulons demander au Seigneur de nous délivrer de nos angoisses, de nous délivrer de toute maladie, de nous délivrer de tout problème qui ne finit pas, de nous délivrer de toute angoisse, de toute oppression. Bien-aimés, présente ton désert au Seigneur ce soir. Présente ton désert et dis-lui d'agir, dis-lui de se manifester dans ta vie. Prions le Seigneur, alléluia. Oui, tendre Père, nous venons encore devant toi, Seigneur. La Bible me dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ô Seigneur, je viens te présenter nos déserts entre tes mains. Lève-toi, Seigneur, et agis dans la vie d'une personne. Lève-toi, Seigneur, et agis dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ma sœur. Lève-toi, Seigneur, et agis dans la vie de mon frère. Lève-toi, Seigneur, et agis là où il y a la maladie. Lève-toi, Seigneur, et agis là où il y a les oppressions. Ô Seigneur, dans nos déserts, viens nous secourir. Viens nous secourir, Seigneur, de ce qui nous fait pleurer. Viens nous secourir, Seigneur, de ce qui nous fait pleurer. Dans le nom de Jésus, secours une personne ce soir. Secours une famille ce soir. Secours un couple ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur, manifeste-toi, secours-nous, tu es notre secours, tu es notre Dieu, tu es notre roi, secours-nous, Seigneur, secours-nous, Seigneur, secours-nous, Seigneur, secours-nous, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur. Viens nous secourir. Viens secourir, Seigneur, ma soeur qui est malade. Viens secourir ma soeur qui a un problème dans son couple. Viens secourir, Seigneur, une personne, Seigneur, qui est au bord du divorce. Viens secourir. Oh, et délivre-nous de nos angoisses. Délivre une personne de ses angoisses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Très bien. Très bien. Très bien. D'accord. Amen, amen. Très, très bon sujet. Très bon sujet. Nous allons prier pour ce sujet. Nous allons prier contre l'oppression au travail. Nous allons prier vraiment pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui subissent des oppressions au travail, que vraiment le Seigneur puisse leur donner la victoire et qu'ils puissent trouver faveur là où ils sont, dans les environnements où ils se trouvent, qu'ils puissent trouver faveur et qu'eux, ils soient la tête et non la queue. La Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et non les derniers. Et que Dieu leur donne toujours la victoire, toujours la victoire, remettant nos frères et sœurs entre les mains du Seigneur. Et si tu connais une personne, tu cites son nom, n'hésite pas à citer son nom dans la prière. Prions le Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Père, pour tous nos frères et sœurs qui subissent, Seigneur, des oppressions dans leur lieu de travail. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont, Seigneur, persécutés au travail parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils te connaissent, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, d'étendre ta main, de leur donner la force, de leur donner, Seigneur, le courage de tenir, Seigneur, qu'ils soient la tête et non la queue. Dans leur lieu de travail, qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient les premiers et non les derniers. Seigneur, qu'ils finissent par trouver faveur. Car la Bible me dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Seigneur, que tu puisses disposer toutes ces personnes qui sont contre eux en leur faveur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie pour ma sœur Annie. Oui, Seigneur, que ma sœur Annie soit toujours victorieuse dans son lieu de travail. Que toutes ces personnes puissent venir encore vers elle. Que toutes ces personnes puissent dire, oh, que Seigneur mon Dieu, elle te connaît. Que toutes ces personnes puissent être encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, en sa faveur. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent lui faire du mal, Seigneur, soient confus. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ma sœur Madeleine, que tu puisses, Seigneur, oui, la garder dans son lieu de travail et que, Seigneur, là où on veut lui faire des coups bas, des coups, Seigneur, qu'elle puisse toujours avoir la victoire dans le nom de Jésus. Qu'elle puisse avoir la victoire dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont persécutés dans leur lieu de travail puissent avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Donne la victoire à tes enfants. Donne la victoire à tes enfants. Donne la victoire à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prier pour tous ces jeunes. Amen. Nous allons prier pour tous ces jeunes qui touchent à la drogue, qui sont
qui sont attirés vers les mauvaises compagnies. Parce que la Bible nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est important que nous puissions prier d'abord pour notre génération, nos enfants chrétiens d'abord. Quand je dis nos enfants chrétiens, ce sont tous nos enfants qui allaient d'abord à l'église mais qui se sont égarés, qui ne vont plus. On a des jeunes comme ça, des enfants qui allaient à l'église mais on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ne vont plus, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu et ils commencent à avoir des mauvaises fréquentations. Nous allons prier pour ces enfants-là et ensuite nous allons aussi prier pour tous ces enfants qui touchent à la drogue parce que la drogue, l'herbe, toutes ces choses, c'est ce que le diable utilise comme un appât pour emmener ces enfants vers l'enfer, pour les emmener dans les ténèbres. Il utilise ces choses-là. Nous allons prier vraiment que le Seigneur puisse ramener dans sa maison tous les enfants qui ont quitté l'église, qui sont partis, que le Seigneur les ramène, qu'il y ait un vent qui les ramène dans l'église, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, pour tous nos enfants, Seigneur, qui priaient hier, qui étaient assidus à l'église, mais qui ne viennent plus, qui sont maintenant dans les mauvaises compagnies, qui touchent maintenant à la drogue, qui touchent aux choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, je t'en prie que tu puisses les ramener à toi, que tu puisses les attirer à toi, afin qu'ils puissent revenir à l'église, au nom de Jésus, qu'ils reviennent dans ta maison, qu'ils recommencent à te servir, qu'ils recommencent, Seigneur mon Dieu, à te chercher, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, aie pitié de tous ces enfants, Seigneur, qui sont pris dans la drogue, qui sont pris dans les mauvaises compagnies, qui sont pris dans les groupes, qui sont pris, Seigneur mon Dieu, dans le banditisme, que tu puisses étendre ta main. Je te prie, Seigneur, règne. Je te prie, Seigneur, ramène-les à toi. Attire-les à toi. Touche leur cœur afin que, Seigneur, ils puissent revenir à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je vais prier pour la fin. Tendre Père, merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Père, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce programme, Seigneur, ce n'est pas la fin de ta présence. Seigneur, que ta présence continue dans les vies, que ta présence continue à parler, que ta présence continue à nous conseiller, que ta présence continue à nous aiguiser. Seigneur, je te confie chaque personne qui s'est connectée ce soir entre tes mains. Que tu puisses garder, que tu puisses protéger et que tu puisses, Seigneur, toucher et ramener. Ramener, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ramener, Seigneur, mon Dieu, dans le droit chemin, Seigneur, tout ce qui était tordu. Seigneur, je te prie que ton ange puisse camper autour de nous afin de nous arracher au danger. Garde-nous cette nuit, Seigneur, et que, Père, nous puissions nous retrouver demain à 4h30 dans ta présence. Fortifie-nous, Seigneur. Et que ton sang, Seigneur, puisse encore nous protéger cette nuit. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.